Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le fil des rencontres où je continue cette rencontre passionnante, même si elle est triste parce qu'elle évoque une période barbare de l'histoire de l'humanité, une période où un peuple a souffert tout simplement par son appartenance religieuse et pour assouvir les intentions expansionnistes d'un empire moribond. Eh bien, Antoine Bagdikian, rebonjour. Bonjour. Et puis, on s'était arrêté sur ces propos ignobles, il n'y a pas d'autre terme pour les qualifier, d'un des trois membres responsables du génocide et du massacre des chrétiens arméniens à l'ambassadeur juif des États-Unis d'Amérique. Comment, par la suite, se sont comportés les Arméniens face à ces massacres? Parce qu'ils ont été surpris. Personne ne s'attendait à une telle ampleur. Ils étaient habitués au pogrom, à l'oppression, mais le massacre est venu d'une manière pratiquement soudaine. Alors... soudaine. C'était d'autant plus surprenant que nous avions, comme je l'ai dit à la précédente émission, nous avions 15 députés arméniens au Parlement qui côtoyaient tous les jours ces ministres. Il se trouve qu'il y avait une loge franc-maçonnique dont faisaient partie Talat Pacha, Enver Pacha et Jemal Pacha, le ministre de l'Intérieur, ministre de la Guerre, ministre de la Marine. Et il y avait une élite arménienne qui était aussi franc-maçonne. Et cette élite arménienne n'aurait jamais pu penser qu'à l'intérieur d'un club, que l'on ne va pas juger philosophique, que la terre allait se dérober sous leurs pieds. Et bien c'est ce qui s'est passé. Jusqu'au dernier jour, les Arméniens protestaient en disant « nos frères turcs, ottoman, puisque c'était 1915, ne peut pas nous attaquer de cette façon-là. » Mais un plan avait été ourdi pour une part à Salonique, pour une part à Paris d'ailleurs, il y a eu une conférence, où le jeune turc, ce gouvernement jeune turc, a décrété qu'il fallait trouver les voies pour supprimer toutes les racines chrétiennes, assainir le pays de tous les éléments chrétiens. Comme je l'ai dit lors de la précédente émission, c'était un acte d'ethnocide total. Les plans ont été mis en place, la guerre éclate en 1914, les Occidentaux ont tellement de soucis par ailleurs qu'ils ne s'occupent pas de ce qui se passe. Et dès novembre-décembre 1914, se met en place le premier plan. 24 avril 1915, on déporte 600 intellectuels d'Istanbul, dans la nuit, dont des philosophes, des écrivains, des avocats. Toute l'élite arménienne a été déportée. Les hommes qui étaient dans les soldats de l'Empire ottoman ont été éloignés de leurs autres compagnons soldats, ont été massacrés par petits paquets. Et quand il ne restait plus d'hommes, il a fallu réunir les femmes, les enfants et les vieillards et les mettre en convoi pour les pousser dans les déserts de Syrie. Et c'est là où on voit des photos prises par des Allemands, des photos claires, nettes, sans contestation, où l'on voit des milliers, des dizaines de milliers de personnes poussées par les déserts. Les Turcs ont ameuté les bandits de grand chemin, les fameux tchétés, en ouvrant les prisons. Parmi eux se trouvaient de très nombreux Kurdes qui reconnaissent maintenant le génocide arménien et qui reconnaissent qu'ils ont eu parmi eux des pillards. Et tous ces tchétés, les bandits de grand chemin, ont pillé les convois qui partaient des différentes villes de Turquie jusqu'en Syrie. 1 500 000 morts. Mais pas seulement que les Arméniens, c'est pour ça qu'on parlera tout à l'heure de la fraternité entre chrétiens et musulmans. Justement, ce que je voulais vous demander, avant qu'on arrive à cette fraternité, on va arriver comment elle a été vécue. Quand les Arméniens ont fui les massacres, ils sont allés dans les pays avoisinants, dans les pays limitrophes. Alors, comme c'était un peu la fin de la guerre, le génocide a commencé 24 avril 1915. En 1918, la guerre se termine. Il ne reste plus 1 500 000 Arméniens. Il ne reste pas les 300 000 Grecs pontiques. Il ne reste plus 200 000 Assyro-Chaldéens. Il ne reste plus de Syriaque orthodoxe. C'est-à-dire que tout ceci représente entre 2 millions et 2 millions et demi de chrétiens disparus, totalement disparus. Ceux qui ont pu fuir se retrouvaient par dizaines de milliers dans des orphelinats en 1920. Par exemple, mes parents étaient des petits bambins de quelques années. Les orphelinats américains, français, ont pris des dizaines de milliers d'enfants. On en a mis un paquet au Liban, un paquet dans les pays proches. Et quand vous dites qu'ils en ont mis, ça veut dire qu'ils ont organisé leur déplacement ou bien c'était des mouvements spontanés de fuite? Non, ils ont organisé leur déplacement. On a des photos où l'on voit une photo qui fait 1 mètre de long,
où l'on voit 40 000 orphelins, qui sont des enfants, que les Turcs avaient épargnés du génocide parce qu'ils voulaient les intégrer de force dans leur ethnie. Les enfants en dessous de 4-5 ans étaient épargnés parce que c'est avec ça qu'ils ont constitué le plus fort de leur région de naissance de la Mongolie, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc tous ces enfants, si les Américains, Français, Anglais n'étaient pas venus, ils auraient été intégrés de force en Turquie. Donc ces orphelinats ont constitué, par exemple, mes parents. Ils faisaient partie d'un contingent qui a été poussé à Salonique, en Grèce, et de Salonique, un paquet est venu à Marseille, et après vous connaissez l'histoire, Marseille, on remonte la vallée du Rhône, ça devient Lyon, ça devient Paris. Mais une autre partie, parce qu'elle était proche de cette frontière, a fui dans les pays arabo-musulmans. Oui. Et c'est là où il y a un point commun, c'est que les Arméniens étaient évidemment en loc, mais ils ont trouvé des Arabes qui n'étaient pas en tellement meilleures conditions, parce qu'eux aussi avaient subi le joug ottoman. Et quand les Arabes qui ont subi le joug ottoman, je vous le répète, l'Empire ottoman a pendu, et on l'expliquera dans la brochure, des chefs de tribus arabes. Ils ont arrivé des gens qui sont victimes d'un empire dont ils étaient eux-mêmes victimes. Donc il y a eu une espèce de solidarité. Et ces Arméniens ont trouvé refuge dans une douzaine de pays. Je vous les laisse citer, oui, parce que c'est important. Non seulement en 1915, monsieur Matouti, mais depuis des dizaines d'années, ils prospèrent en terre d'islam. Ce qui est connu pour le monde arabo-musulman, c'est que les Arméniens se trouvent essentiellement en Syrie et au Liban, où il y a de très fortes communautés arméniennes qui sont devenues syriennes et libanaises, qui ne sont plus, disons, arméniens. Ils le sont d'origine, mais et de culture et d'appartenance. Les noms, la religion sont sauvegardés. Mais ils sont des citoyens pleins et entiers, puisqu'il y a des députés, il y a des responsables politiques de ces communautés. Et la plus importante, je pense, était celle du Liban. Aujourd'hui, il y a 75 000 Arméniens, selon les chiffres que vous m'avez communiqués, qui sont au Liban, 80 000 en Syrie, 3 000 en Jordanie, 10 000 en Irak. J'ai été par contre surpris, comme beaucoup de gens vont l'être, que dans d'autres pays, comme les Émirats Arabes Unis, il y a 2 000 Arméniens, au Qatar, il y a 200 Arméniens, au Koweït, il y a 5 000 Arméniens. Donc ça, c'est très peu connu. Ce qui est connu, c'est surtout dans le Cham, ça veut dire la Syrie, le Liban et la Palestine. Parce qu'en Palestine aussi, il y a des Arméniens, il y a une communauté arménienne importante. Au Soudan, il y a 75 personnes et en Éthiopie, 80 personnes. Donc en gros, aujourd'hui, cette communauté, c'est entre 250 et 300 000. Plus. Il y a quelques années, c'était largement 500 000. On a dû revoir à la baisse puisque la population, par exemple, du Liban... Les 3 millions du Liban d'il y a 15 ou 20 ans, 300 000 étaient d'origine arménienne. Donc 10% de la population. La guerre du Liban a fait que les Arméniens ont fui, donc il y a eu d'immenses mouvements de population. Actuellement, on est entre 300 et 350 000 Arméniens dans cette douzaine de pays du monde arabo-musulman. Alors ce qui est fantastique, et vous l'avez souligné, c'est qu'ils arrivent dans des pays qui leur offrent des postes d'élite. Ils sont... députés, chefs d'entreprise, architectes, bâtisseurs, intégrés dans ces pays. Donc il n'y a pas eu de ségrégation, il n'y a pas eu de ghettoisation de cette population parce qu'elle n'est pas du corps originel de la nation, c'est des réfugiés. Non, ils ont été intégrés. Non seulement ils ont été intégrés, M. Matouti, mais dans tous ces pays, et c'est ce que je vais mettre dans les brochures que l'on distribuera lorsque l'on fera cette semaine de solidarité entre chrétiens et musulmans, dans tous ces pays, les Arméniens ont construit des écoles, des centres culturels, ont mis des croix de pierre, ce sont ces monuments, la croix arménienne, qui rappelle le génocide arménien. Et dans tous ces pays, c'est ce qu'on mettra dans la brochure, ils ont des éléments qui attestent d'une vie. Alors évidemment, quand il s'agit de la vie culturelle, les Arméniens, dans leur théâtre chrétien, avaient une petite vie dans un cercle assez fermé. Mais pour ce qui est la vie intellectuelle, artistique, industrielle ou commerciale, ils se sont, comme nous, Arméniens de France, qui sont arrivés à différents postes, on s'est totalement intégrés. Et le propre, une des qualités des Arméniens, c'est de s'intégrer harmonieusement dans les pays du monde chrétien, ça on le sait. Mais aussi, et c'est ce qu'on veut nous-mêmes, au nom de l'Association nationale des anciens combattants et résistants, mais de l'Institut, rappeler que les Arméniens se sont aussi parfaitement intégrés dans un monde arabo-musulman. Donc si je comprends bien de tout ce que vous venez de me dire, le conflit
c'est pas un conflit, les raisons qui ont abouti à ce génocide et à ces pogroms ne sont pas des raisons religieuses. Non. Ce n'est pas un conflit entre Non. chrétiens et musulmans. D'ailleurs, je voudrais reprendre la phrase d'un historien français, Yves Ternon, au-dessus de tout soupçon, qui a écrit des livres sur le génocide juif, qui a écrit des livres sur le génocide arménien, qui a dit la chose suivante, qui résume. Le génocide juif est un génocide raciste. Les Allemands ne pouvaient pas supporter qu'il y ait des gens qui aient une racine juive et ils auraient éliminé les enfants jusqu'au dernier degré. Alors que le génocide arménien est un crime crapuleux. Il s'agissait de piller les biens des chrétiens arméniens, mais aussi grecs, assyro-chaldéens, syriaques, de s'approprier leurs biens, de s'approprier leurs églises, 2000 églises, de prendre toutes leurs richesses et de bâtir pour ces quelques centaines de tribus seldjoukides et ottomanes qui ont fait tomber Byzance en 1453, de bâtir une nation en s'appropriant tous les restes de ceux qui sont en dessous. Donc c'est un crime crapuleux. La preuve qu'il n'y a pas d'opposition entre chrétiens et le monde arabo-musulman, c'est que les Arméniens, vous l'avez dit, et n'oublions pas aussi en Iran, la Perse. Tout à fait, 80 000, c'est aujourd'hui arménien en Iran. Et l'Arménie entretient d'excellentes relations avec l'Iran. D'ailleurs, en Arménie, il y a une splendide mosquée iranienne que les Arméniens ont retapée. Je voulais vous signaler aussi que les Arméniens, et ça sera la première page de notre brochure, sont en train de dresser un monument en Arménie sur la solidarité et la reconnaissance des Arméniens au monde arabo-musulman. Alors, quand la statue sera faite, ça sera la première page de ma couverture. Les deux, trois autres pages seront ces fameuses fatwas de la Mecque qui condamne ces massacres, ceci pour rappeler que les Arabes n'ont pas été participants, ni de près ni de loin, Pas à... seulement, ça a une portée plus importante, c'est que l'islam a condamné. L'islam par deux fois. Voilà, donc ces Et fatwas ont une valeur très très importante, important. historique. Il n'y a pas eu de soutien à l'Empire ottoman, il n'y a pas eu d'acquiescement à ces actes, au contraire, Au contraire. il y a eu des fatwas condamnant ces massacres. Et on sera heureux de reproduire ces fatwas qui sont évidemment écrits en arabe ancien, avec les tampons de la Mecque, et on mettra leur traduction en anglais et en arménien pour rappeler que l'islam est totalement, s'est totalement désolidarisé. Ils ont même dit, et je le répète, que c'est totalement contraire à l'islam de massacrer des populations, qu'elles soient chrétiennes ou pas d'ailleurs. D'ailleurs, qui avait la protection Qui, normalement, l'islam devait amener une protection à ces populations. absolument à ces populations, c'est la règle dans la religion musulmane. Alors, comment expliquer que presque 100 ans après, il n'y a pas de volonté politique de reconnaissance par les politiques d'aujourd'hui, par le gouvernement turc aujourd'hui? Au contraire, c'est un crime impardonnable que de parler de génocide ou de reconnaître les massacres d'Arméniens en Turquie aujourd'hui, alors que les responsables politiques d'aujourd'hui ne sont ni de près ni de loin concernés par ces massacres, ce sont plutôt leurs ancêtres. Donc pourquoi ne pas reconnaître et tourner une page qui permettrait à la Turquie et à l'Arménie d'avancer autrement? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que dans les années 1920 et bien sûr 1923, où le mot Turquie a été créé par Kemal Atatürk, le mot Turquie créé en 1923. Atatürk s'est trouvé avec tout un encadrement qui étaient les grands ordonnateurs du génocide arménien. Il a fallu qu'il bâtisse une Turquie avec des gens qui avaient les mains tachées de sang, qui s'installaient dans les villas occupées par les chrétiens. Autrement dit, il a fallu que lui-même, qui n'a pas les mains tachées de sang, Il a les mains accepte, tachées d'un autre sang. voilà, d'un autre sang. Mais lui, il a fallu qu'il accepte ceci, et la pression populaire étant, il a fallu effacer les traces d'un crime odieux. Effacer les traces, ça veut dire recréer une nouvelle histoire. Alors, recréer une nouvelle histoire, ça veut dire faire des livres, éduquer les enfants en disant la Turquie est un pays qui existe depuis 5000 ans. C'est fou, ils ont été créés en 1453. Il y a un mensonge d'État organisé d'une très belle façon, avec la passivité des Oui, Occidentaux. mais ça ne suffit pas à expliquer cette obstination Ah ben, absolue à l'obstination, refuser. c'est... Est-ce que ce n'est pas, comme je vous l'avais demandé, une raison aussi économique, aussi Absolument. Bas que ce soit, c'est terre à terre, c'est simplement une raison d'argent, parce que reconnaître ces massacres, reconnaître le pillage, c'est aussi s'obliger à un devoir de réparation. Absolument. Alors la fierté ottomane
première chose, ne peut pas se résoudre à reconnaître une erreur de 70 ans, parce que ça serait jeter un déni sur tous les présidents qui se sont succédés. Et vous savez que Chirac a eu besoin de dizaines d'années pour dire que la France était à Vichy et que la France... Il a quand même eu le courage de le reconnaître. Mais il lui a fallu 50 ans pour des hommes sophistiqués comme peuvent l'être des hommes politiciens français. Eh bien, cette sophistication, M. Matsouti, n'existe pas dans les cervelles. Alors, qu'est-ce qui est important pour les Arméniens? Et sur ce chapitre, on va clore parce que l'émission se termine. On reprendra dans la prochaine rencontre. Qu'est-ce qui est un plus important pour les Arméniens? La reconnaissance de ce massacre pour la mémoire du peuple arménien ou la reconnaissance et la réparation concomitamment? Les deux, parce que s'il y a eu un génocide, donc un crime prémédité, et si on s'inscrit dans la définition de l'ONU des crimes de génocide, les Arméniens se sont battus pendant des dizaines d'années pour la reconnaissance morale et pouvoir là, enterrer ils leurs victimes. Là, sauf en Turquie. Partiellement. Sauf en Turquie. Regardez, même la France. D'ailleurs, si vous permettez, il y a des rapports entre l'État arménien et l'État turc. Il y a eu des tentatives de rapprochement. Qui est condamné par la diaspora à l'étranger, mais qui est quand même bien accueilli en Arménie et par le pouvoir arménien. Alors, moi, je voudrais dire la chose suivante. La France a fait un grand pas en donnant, en faisant loi. Après un lobbyisme terrible. Après un lobbyisme de 90 ans. De dire que la France reconnaît publiquement le génocide arménien. C'était un acte courageux, pas totalement. Politique. Parce qu'il aurait fallu dire par qui a été commis ce crime. Bon, ils ont fait un grand pas. La France reconnaît publiquement le génocide de 1915. Basta. La loi qui était censée protéger cette loi, elle, a été refusée. Donc on est à mi-chemin de la justice. Alors, il y a la reconnaissance pour laquelle on a fait un grand pas en France. Les États-Unis ne l'ont pas fait parce que le lobby turc aux États-Unis est très fort. Et les États-Unis n'ont pas franchi ce pas. Heureusement pour nous, il y a une quarantaine de pays, la Russie, la Grèce, qui ont reconnu le génocide arménien, etc. Bon, à côté de ça, quand la loi est reconnue, il y a les réparations matérielles. Parce que les Arméniens ont tout perdu. Il a fallu 100 ans pour qu'on se rebâtisse. Et ça, ça ne peut pas passer dans les pertes et profits. L'Allemagne s'est grandie, en reconnaissant le génocide juif, et deuxièmement, depuis 50 ans, il paye. On ne va pas débattre de ce sujet aujourd'hui, parce que ça nécessiterait un débat. Mais il faudra aussi, pour parler de ça, avoir l'autre camp en face pour qu'il puisse donner également ses arguments. C'est sur ce qu'on va arrêter aujourd'hui, en vous remerciant de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. Et on se retrouve encore une fois la semaine prochaine pour parler de cette grande manifestation d'amitié, de reconnaissance et de vie commune entre les musulmans et les chrétiens et les musulmans, et de votre programme pour nous le développer, qui, je le signale tout de suite, est sous le haut patronage du président de la République française. Mesdames et messieurs, merci et à la semaine prochaine. Merci, monsieur Matsouti.